On décante l'auberge ou bien on lance? Bonjour, chers auditeurs et chers internautes de Radio Moulam. Avant de commencer l'émission, tout d'abord, nos salutations, nos remerciements pour votre fidélité. Nous avons aujourd'hui, nous recevons un artiste, un musicien, un chef d'orchestre, un homme à plusieurs casquettes, très connu dans le milieu artistique hein, parisien, un génie pour certains et surtout un grand passionné pour beaucoup. Il est notre invité, c'est Monsieur Julien Prince. Bonjour Julien, comment vous allez? Ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour Wad, bonjour à ceux qui nous suivent, je suis très content d'être là. Voilà, Avant et toi? de, ouais, avant de lancer les hostilités, hein, on va d'abord demander aux gens de se connecter pendant 1 ou 2 minutes, le temps d'avoir un maximum de partage pour que, bon voilà, le maximum de personnes puissent nous suivre. Donc ceux qui ont pris le train peuvent déjà partager. Vous pouvez également aussi poser des questions. Donc dans 2 ou 3 minutes, nous lançons le temps de faire quelques partages à mon niveau aussi et pour tous ceux qui peuvent se connecter. Donc dans 2 minutes, nous lançons le live. Donc encore quelques minutes, deux. Voilà, c'est le fameux connectez-vous, connectez-vous. Exactement, c'est le fameux connectez-vous. C'est vrai qu'il y a des gens qui regardent sans forcément être sur la page, mais nous voulons quand même que quelques personnes soient là pour que ça soit une émission interactive et que, bon voilà, on puisse obtenir le maximum parce que beaucoup se posent des questions. Hein. Tout le monde veut savoir, mais qui est ce Julien qui chante l'Ambassie B? Qui est ce Julien qui interprète de façon exceptionnelle, les têtes brûlées. Qui est ce Julien qui va dans les villages macaques un peu partout pour rendre hommage au créateur de l'Asico? Donc, Ouais, il y a beaucoup de questions qui se posent et voilà, c'est pour cela que nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes maximum afin d'avoir tous ces gens connectés et pour pouvoir avoir une belle émission ce soir. très bien. Ok. Donc, merci de partager. Dans 1 minute, nous lançons. Ok, je crois que il est temps qu'on commence l'émission. Les gens vont se compter au fur et à mesure. Les gens poseront les questions. Je l'ai dit déjà à l'entame. Nous recevons aujourd'hui un invité de marque, quelqu'un normalement qu'on ne présente plus, mais comme à l'accoutumée, hein, Monsieur Julien Pestre, en quelques lignes pour ceux qui vous découvrent ou alors qui vous voient de loin, qui est Julien Pestre? Ah bien, d'abord c'est moi-même. Ce qui est bien, c'est qu'on voit mon visage, donc c'est facilement identifiable. Voilà, je Exactement. suis un artiste, musicien, principalement guitariste, et qui a eu la chance de travailler dans ce métier formidable très jeune. Donc d'avoir su creuser un réseau et être entouré par des aînés aussi très jeunes. Et donc, avec ma guitare, j'ai pu parcourir le monde entier, on va dire, les 5 continents, ça c'est sûr. Et donc j'ai pu rencontrer des cultures, des musiques, des personnalités tout autant différentes que le monde en contient.
Et c'est vrai que je me suis particulièrement arrêté sur le continent africain à cause de la musique, à cause de la culture, à cause de l'interaction que j'ai eue avec ce continent. Et principalement, c'est vrai, au Cameroun et maintenant en Côte d'Ivoire. Ok. La question qui revient toujours, hein, lorsqu'on a affaire à un musicien, on lui pose la question suivante. Depuis quand, depuis combien de temps vous faites de la musique? D'abord peut-être comme hobby et après de façon professionnelle. Oui, moi je me souviens, c'est vers l'âge de 11 ans que j'ai commencé à... En fait, j'étais en classe de 6e, pour tout vous dire. Et avec des amis, on a décidé de monter un groupe de musique. La seule particularité, c'était que personne d'entre nous ne jouait d'un instrument. Donc on s'était distribué les rôles. Toi, tu vas être batteur, toi, tu seras bassiste. Je devais être bassiste, en fait. Mais je n'ai pas pu trouver de basse. J'ai trouvé une guitare, donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et est-ce que vous avez fait une école de musique? Est-ce que vous avez appris, vous êtes assis au départ ou alors après? Et comment ça s'est passé pour que vous décidiez d'en faire un métier? Si, quand j'étais plus jeune, on va dire, bon, pour dire la vérité, j'ai eu un parcours scolaire pas très glorieux parce que l'école ne m'intéressait pas, parce que je trouvais que, bon, ce n'est pas un exemple que je donne aux jeunes, hein, c'est mon parcours à moi-même. Mais voilà, je trouvais que l'école était ennuyeuse pour moi. Et j'ai réussi, avec les multiples chances que nous donne parfois ce pays qu'est la France, avec les diverses écoles et tout ça, machin, j'ai réussi à avoir une bourse. Alors que j'avais à peine 14 ans ou 15 ans pour intégrer une école de musique professionnelle à Bordeaux, qui était le SIAM. Donc, je me suis retrouvé à l'âge de 14-15 ans avec des musiciens qui pratiquaient déjà leur instrument, qui avaient 25 ans, 30 ans. Donc, je me suis retrouvé le petit jeune, la mascotte de cette école. Et les gens m'ont apprécié parce que j'étais un peu jeune, que je me débrouillais dans la musique. Donc, c'est comme ça que très jeune, j'ai eu des places dans les orchestres locaux et commencé à travailler dans ce métier-là très jeune. Oh, et là, vous avez fait donc ce parcours classique de guitariste, ou alors vous avez un cursus quand même de, comment on appelle, au conservatoire, ou bien ça Non, pas intéresse du les tout. jeunes qui vous écoutent. Bien Donc, dans sûr. le tas, dans les orchestres, au sein des grands frères, vous avez appris, ou bien vous avez fait un conservatoire. Bien sûr, il est vrai que comme je le disais, j'ai intégré cette école, mais c'est plutôt un centre de formation professionnelle. Ce n'est pas un conservatoire en tant que tel où on n'apprend pas à lire ce n'est pas la musique classique, ce n'est pas apprendre à lire des partitions, c'est vraiment être entouré des grands frères qui nous apprennent la musique, mais plus dans la pratique, en fait, directement. Voilà. Après, je ne déconseille pas le conservatoire. Ceux qui ont la chance d'y aller, c'est aussi un très bon enseignement, qui a ses défauts, ses qualités, mais tous les enseignements sont bons. Ça dépend de l'élève. Voilà, c'est l'élève qui fait des miracles après, hein. Donc, c'est ça. Ok, donc dans ces ateliers, c'est quand même aussi une formation, peut-être pas, mais est-ce que vous avez appris à lire des notes, à cadencer, à tout ce qui est dans le rythme pour un peu équilibrer, à arranger? Qu'est-ce que Voilà. ces grands frères ou alors ces gens vous ont vraiment donné pour vous En permettre fait, de mieux vous situer? au départ, c'est d'abord la pratique. On veut jouer avec les amis, dans les clubs, dans les manifestations locales et tout ça. Donc, c'est d'abord la pratique. Mais ensuite, une fois que je jouais beaucoup cet instrument, par la suite, ça a été une deuxième étape. J'ai eu envie, moi, à titre personnel, effectivement, peut-être d'apprendre à lire les notes ou de savoir comment on construit un accord ou bien une mélodie. Voilà, ça c'est venu après. Après, moi, de moi-même, je me suis plongé dans la théorie parce que j'avais envie et besoin de comprendre ce que jouer, comment ça fonctionne, quoi. Ah, ok. On sait que vous avez beaucoup, hein, beaucoup, avant qu'on arrive dans quel genre de musique vous avez joué, mais on va commencer par votre côté camerounais. Généralement, D'accord. on dit de vous que vous êtes camerounais. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça me fait plaisir. Après, bon, Camerounais, Français, tout ça, ce sont des concepts. On est obligé de faire avec, mais au départ, la terre était terre. On connaissait pas le Cameroun, pas la France. Donc moi, je me considère comme. C'est un peu cliché cette phrase, je le sais, mais je le dis quand même comme citoyen du monde. Mais Comme si, les citoyen Camerounais. du monde avec un appui entre le Cameroun et la France et maintenant la Côte Voilà. d'Ivoire. Maintenant, si les Camerounais ont envie de me définir comme Camerounais, il faut qu'ils sachent que ça me fait très plaisir parce que ça veut dire qu'ils m'ont adopté et que le message que je fais passer est bon. Donc, évidemment, c'est un honneur. Ouais, justement, parce que vous jouez du Makossa, vous jouez de l'Ambassbé, vous jouez des rythmes camerounais qui, malheureusement, du moins certains prétendent qu'ils sont en baisse ou alors sont en train de se perdre. On va Oui. essayer de voir ce que vous avez fait ces derniers temps.
Vous avez joué Classico, je l'ai dit, vous avez joué l'Ambassé B. Vous avez joué un morceau qui nous touche d'abord là et que peut-être on aurait aimé que vous grinciez en une minute votre guitare que vous avez préparée aujourd'hui dans le cadre de cette émission. D'abord, avant de vous passer, vous laisser jouer un petit a cappella, le morceau s'appelle Basangweli. Ça veut dire quoi, Basangweli, pour ceux qui nous écoutent? Alors, Basangodi, c'est les héritiers, précisément, je pense, hein. Et puis, donc ça, c'est le titre du chanson, mais la chanson parle effectivement de l'héritage, et je veux parler plutôt de l'héritage culturel. OK. Et effectivement, cette chanson, si on l'écoute, pour ceux qui comprennent la langue douala, il y a un petit passage en français aussi. Je me mets à la place qui est la mienne, vraiment. Si moi, je suis un étranger au Cameroun à la base. Et je ne suis pas censé comprendre cette langue ou même travailler avec ou même entendre. Mais justement, je demande aux Camerounais de me raconter, à moi qui suis étranger, l'histoire du Cameroun. Qu'est-ce qui vous touche dans ce Cameroun? C'est-à-dire, je suis un étranger curieux qui demande, ah, mais racontez-moi l'histoire du Cameroun. Par exemple, on sait qu'il y a eu l'histoire coloniale. On veut entendre la voix des héros qui ont combattu contre l'oppresseur colonial et tout ça, machin. Donc je demande, ah, parlez-moi de Roubén Oumiobé. Ou bien de Félix Mounier, de tous ces grandes figures. Je demande aussi à quels sont les artistes qui vous ont fait vibrer dans les bois d'Autine, bref, Messi Martin, tout ce genre de choses. Voilà, c'est un peu l'esprit de la chanson. Donc, l'héritage culturel, en fait. Et après, c'est vrai que je dis dans cette chanson que nous sommes tous les héritiers de notre passé, en fait. L'héritage, c'est notre ADN. Et même moi qui suis étranger au Cameroun, si je veux comprendre le Cameroun, je dois comprendre ce que les gens ont vécu et quels sont leur héritage culturel, voilà, c'est ça. Ah ok, on vous donne une minute pour nous faire un petit a cappella alors de ce morceau, Ouais. Bassa Ah, c'est... La guitare passe bien? Wagwedi. Ouais, c'est bon. Atiko mulongo ya mabiongo makama unoyo na makula bi ya bato apese ye kongwa sumonja Atiko mulongo ya mabiongo makama unoyo na makula bi ya bato apese ye kongwa sumonja. Yango ya ba unyobe, Felix Mounier, Mongo beti ye, Kana diye wenge, Son isenda. Voilà un petit passage, quoi. Voilà, non, je crois que les Camerounais qui écoutent ces morceaux, ils ont chaud au cœur, parce que là, vous entrez dans l'histoire, vous parlez de ceux qui incarnent le Cameroun combattant, le Camerounais, le Cameroun qui ne s'est pas laissé faire, parce que c'est Tout à ça fait. aussi, je crois, le but du musicien, pour qu'on raconte, comme vous venez de le dire, qu'il y a eu des gens quand même qui sont sacrifiés pour le pays. Bien Et sûr. ça fait de peut-être vous le constatez pas, mais ça fait de vous de quelqu'un de complètement intégré. Parce qu'il n'y Oui, a pas oui. mieux. Et là, quel est votre secret? Avec quelle approche vous arrivez à avoir cette facilité à vouloir se mettre à la place des populations camerounaises? Parce que là, il n'y a pas mieux. Non, mais moi, d'abord, j'ai l'esprit révolutionnaire. Alors, je parle bien de l'esprit, hein, que ce soit Ouais. dans mes lectures, dans les choses sur lesquelles je m'intéresse, dans l'histoire que je m'intéresse, dans aussi bien les histoires du Che Guevara que machin, les gens. Dès qu'il y a une oppression quelque part et que quelqu'un se lève pour combattre ça et devient même martyr de cette histoire, alors moi, ça me touche énormément. Et maintenant, par rapport au Cameroun, qui est un pays que vraiment avec lequel j'ai un lien très particulier, c'était obligatoire parce que ces figures. En fait, moi, je trouve que la cruauté dans laquelle Oumiobé a été massacré, ou bien l'empoisonnement de Félix Mounier, toutes ces choses-là, malgré que l'histoire en elle-même soit cruelle, je trouve ça beau parce que finalement, ces héros sont dans le cœur de tout un chacun, malgré le fait que tout le monde, enfin, je dis tous les pouvoirs
font tout pour ne pas les ériger ou les glorifier. C'est-à-dire, je parle, il n'y a même pas des tombes correctes. Ou, voilà, je pense que ça, c'est sûr que de la part de la France, ils ne veulent pas reconnaître cette histoire. Ils ne veulent pas le reconnaître. Ils vont pas crier sur tous les toits qu'ils ont fait ça. Je pense que du côté du Cameroun aussi, ce n'est pas dans leur intérêt de glorifier aussi les Robben Nyobé, tout ça, machin. Alors que ce sont des gens qui devraient figurer dans les livres d'histoire. C'est mon point de vue, en fait. Voilà. Ouais, je crois que c'est le point de vue de beaucoup de Camerounais. Hein. C'est pour cela qu'on dit que vous êtes intégrés. C'est juste peut-être que un rapport de force qui va peut-être basculer hein, dans le sens de ce que les populations profondes désirent. Maintenant, pour essayer de voir votre degré de camerounité, hein, vous connaissez quand même quelques mots en langue camerounaise, quand même, parce que vous pouvez pas nous dire que vous chantez toutes ces langues. Vous chantez en Ewondo, vous chantez en Bassa, vous chantez en Douala, que vous n'avez pas pu, avec le temps, quand même, vous faire un bon vocabulaire. Qu'en Si, est-il? mais je suis aidé hein, déjà parce que chanter en langue, c'est pas facile. Et puis d'abord, je vais répondre à cette question, mais je vais aussi développer sur peut-être pourquoi je chante en langue, parce que c'est vrai, d'autres peuvent se dire, mais pourquoi ils n'utilisent pas le français, tout ça, machin et tout. Moi, j'ai voulu travailler sur des langues parce que je trouve que au Cameroun, la diversité des langages est extraordinaire. Et la musique des mots, c'est-à-dire comme le bassa ou bien certaines langues que je ne comprends pas forcément, hein, je ne suis pas en train de dire que je maîtrise, que je parle le bassa, mais quand je l'entends parler, il y a une musique qui se dégage. Et voilà, tout comme un musicien qui déciderait de faire un arrangement, ah tiens, sur ce morceau, j'ai envie d'écouter du saxophone plutôt que de la trompette, ou un truc comme ça, ben moi, j'ai eu envie de travailler avec ces langues-là. C'est-à-dire, ah, j'ai envie de travailler avec la sonorité de la langue douala ou bien la sonorité de la langue bassa. Maintenant, effectivement, à l'époque où j'étais au Cameroun, maintenant là, je réponds à votre question, j'ai fait beaucoup de douala, j'habitais à la cité des Palmiers à l'époque, et j'ai fait beaucoup Yaoundé, où j'étais au Carrefour Vogt, au quartier Mvolié. Donc, effectivement, j'ai eu des familiarités avec ces deux langues qui sont le Ewondo et le Douala. Bon, mais maintenant, comme ça fait un peu longtemps que j'ai quitté le Cameroun, c'est vrai que je n'ai plus cette. Ça, je perds un peu. Déjà que ce n'était pas très solide à l'époque, mais j'avais quand même quelques notions, voilà, les salutations de base. Et du moins, j'ai des notions qui sont suffisantes pour pouvoir coucher quelques mots sur une feuille de papier et écrire un texte, par exemple. Mais voilà, si j'écris un texte en douala, ce sera comme si un enfant de 5 ans qui parle avec beaucoup de fautes, des mots qui ne sont pas exacts, des erreurs de prononciation. Mais là, à partir de ce petit travail que je fais, maintenant, je vais voir quelqu'un qui maîtrise la langue et avec lequel on va travailler. On va me dire non, mais ça, on ne dit pas ça comme ça, on ne prononce pas ça comme ça, on ne peut pas chanter ça, on ne peut pas faire ci. C'est un grand travail, voilà. Ah, c'est super. La question qui revient toujours, hein, parce que on a tellement envie de vous poser beaucoup de questions aujourd'hui, on a malheureusement que 60 minutes, donc on va essayer de condenser toutes les questions. Donc là, le musicien que vous êtes, est-ce que vous vivez de votre musique? Est-ce que vous ne faites pas autre chose? Est-ce que vous faites que de la musique? Non, depuis l'âge de 14-15 ans, comme je disais tout tantôt, je ne vis absolument que de la musique. Et voilà. C'est maintenant peut-être arrivé à un certain âge, on a envie de se diversifier ou bien de créer d'autres choses. Voilà, moi je suis en train de créer des business connexes à la musique en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est tout nouveau. Voilà, j'essaye de me lancer dans d'autres choses, mais sans toutefois abandonner la musique, hein, pas du tout. C'est juste que. Voilà, des fois on voyait nos vieux quand on était jeunes là, et peut-être ils allaient acheter un champ de cacao ou bien des verres, on disait mais pourquoi ils font ça? Bon, on se rend compte que quand on vieillit, on a envie de mettre ses économies quelque part et de faire fructifier ça. Donc c'est ça. Mais la musique est encore bien là. Je ne la lâche Ok. pas. Et là, la question qui reviendra, parce que beaucoup, hein, surtout nos parents, nous qui avons un certain âge, nos parents ont souvent pensé que, voilà, on peut pas vivre de la musique. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui veulent se lancer dans la musique? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que, enfin, ça devienne vraiment leur métier qui puisse leur permettre de vivre? Non, bah, alors ça, c'est une question à laquelle je réponds souvent parce que j'ai une multitude de jeunes, surtout d'ailleurs principalement du Cameroun ou bien de Côte d'Ivoire, qui m'écrivent en disant, ah, grand frère, je veux devenir ça, je veux devenir ci, comment on fait pour être riche, comment on fait pour être machin et tout. Je dis, non, mais déjà, si vous partez du postulat que dans la musique, vous voulez réussir ou devenir riche, c'est un faux truc parce que
Moi, je fais souvent l'analogie avec un prêtre ou un curé ou un imam, comme vous voulez, quelqu'un qui croit vraiment en Dieu et qui est là tous les dimanches pour donner la parole de Dieu à ses fidèles. Et je sais que, par exemple, nous, chez les catholiques, quand on va à l'église, il y a la quête le dimanche, c'est-à-dire il y a un panier qui passe. On est libre d'y mettre 100 francs, 500 francs, 1000 francs chacun, mais comme il peut. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que le curé, quand il va récupérer la corbeille, là, que dans la corbeille, il y ait 100 francs ou bien 1 million, sa manière de croire en Dieu ne change jamais. Voilà, c'est comme ça que je veux que les jeunes prennent la musique. Si vous vous engagez dans cette voie-là, la musique, c'est beaucoup de sacrifices au début. Moi, comme je l'ai dit, mon expérience fait que, comme j'ai commencé très jeune, j'étais la mascotte des grands frères, donc je n'ai très tôt, j'ai eu du travail, j'ai eu mon réseau, je n'ai pas eu de manque de boulot. Donc je n'ai pas, mais je sais que pour certains, c'est beaucoup plus difficile, que ce n'est pas une voie facile, effectivement. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'investissement, il faut se faire connaître. Voilà, et je ne parle même pas pour devenir star, hein, mais pour devenir musicien, il faut se faire connaître des artistes pour dire ah, pourquoi un artiste va appeler tel guitariste à la place de l'autre. Pourtant, les guitaristes sont très nombreux. Voilà, donc il faut se faire connaître, c'est long, c'est difficile. Et comme un curé qui n'attend pas le nombre d'argent dans sa quête pour croire en Dieu, il faut croire en la musique d'abord. C'est la première D'abord, ok. chose de croire en la musique. Et après, si on y croit, si on est un ouvrier solide et travailleur, ça viendra forcément. Donc, c'est d'abord un problème de passion, donc Tout à fait. y croire et après travailler, et avec le temps, ça peut devenir quelque chose qui est définitif et qui nourrit l'homme. On va pas vous lâcher toujours, hein, parce que vous avez chanté en Douala, on sait que vous chantez en Bassa, on sait que vous chantez en Ewondo. Et là, est-ce que pour aller dans la tradition, qu'est-ce qui vous a fait chanter, rendre hommage à ceux qui ont fait l'Assiko? Cette idée-là vient d'où? À rendre hommage à ceux qui ont fait la sicko et ceux qui ont fait la musique du Cameroun, d'ailleurs, toutes confondues, c'est Oui. vraiment la musique camerounaise m'a procuré tellement de joie et tellement de bonheur que j'étais obligé, je me sentais obligé, moi, d'abord d'en faire pour mon plaisir parce que c'est des sonorités qui vraiment m'ont, j'avais envie de travailler avec. Et il fallait que ça commence forcément avec des hommages à l'histoire du Cameroun, des hommages pour mon morceau Menti Maiga. Justement, qui veut dire je Exact. vous remercie. Je vous Le Menti, remercie. c'est là où je remercie les grandes figures de la SICO, Sidi Samson Shoga, Jean Bicoco et consorts. Il fallait que je montre voilà, aux Camerounais que je leur livre que voilà, votre musique, votre culture m'a vraiment fait du bien, m'a fait plaisir, ça m'a amené ailleurs, ça m'a fait découvrir d'autres choses, ça m'a ouvert l'esprit. Donc voilà, je vous rends ça. C'est votre culture qui est là, mais en même temps, si je fais un asiko banal que je copie, tout simplement, on pourrait croire, on aurait tendance à dire qu'on peut appeler ça de l'appropriation culturelle, on va dire. OK. Mais moi, voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça et je tiens vraiment à dire que ce n'est pas mon but. Moi, voilà, c'est la musique qui m'a fait plaisir. Je vous restitue ça. C'est plutôt de dire que voilà, si un étranger est venu s'intéresser à votre musique, ça veut dire que votre musique est valable, au même titre que pour les Américains, au même titre que pour les machins, ne la dévaluez pas. Et surtout de rendre hommage à ceux qui ont créé cette musique. Voilà, je me suis pas mis devant en disant, ah, c'est moi, je suis un peste guitariste d'Assico. Non, je chante l'Assico pour chanter ceux qui ont vraiment fait l'Assico, les Samson Shoga, les Jean Bicoco Alladin, les Combogol Martin et consorts. Voilà. Oh, vous avez le plateau, hein, pour un petit 1 minute d'Assico. Ah, j'aurais pu. Ah, vous savez Ou quoi? Je alors vais. un autre morceau, hein, qui va dans Non, ce sens. En bassa. on peut faire un peu de guitare. Bien sûr. Un peu de guitare à sicko. Ah, mais il manque les bouteilles derrière, voilà, il faut dire Voilà, à non ceux mais non, c'est superbe, ça va. On sait que ça c'est improvisé. C'était juste pour que les gens aient ce feeling pour comprendre que en Voilà. fait c'est lui qui chante, hein. C'est pas qu'il y a pas quelqu'un derrière qui chante pour lui. Il Et faut d'ailleurs. juste peut-être, il faut juste rappeler peut-être à ceux qui découvrent la SICO ou bien ceux qui avaient oublié la SICO mais qui se rendaient compte que voilà, la SICO, c'est une musique de danse extraordinaire.
Voilà, des danseurs qui font plein de choses. D'ailleurs, dans mon clip, on a été tourné dans le village de Mbeng, à 1 heure de Yaoundé. Voilà, on a utilisé plein de danseurs qui recréent ce climat de la danse assiko qui est vraiment unique au monde. Ouais, elle est très compliquée. C'est pratiquement une danse des initiés. Mais tout à fait. Ouais, la prochaine question, c'est vous avez côtoyé tous ces musiciens-là. D'ailleurs, beaucoup vous ont connu avec, je crois, une ou deux vidéos qui ont fait le tour. C'était Gennegento, où vous avez fait une. Ça fait déjà une dizaine d'années que tout le monde Et ouais, vous découvrait. Moi, personnellement, c'est là où moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pas un fake? Ou bien, je sais pas, j'ai regardé la vidéo. Et tous ces musiciens, vous avez répété le Débossaillé qui nous a fait grandir, vous avez chanté beaucoup d'autres morceaux, et Singa, et des Têtes Brûlées. Est-ce que vous pouvez nous dire combien, avec combien de musiciens vous avez collaboré jusque-là? Quelques noms, par exemple. Je sais qu'il y a musicien peut-être celui camerounais. camerounais d'abord et peut-être aussi Alors, d'autres. donc ceux qui m'ont marqué, bon, tous m'ont marqué, hein, peut-être d'autres vont se vexer parce que je ne les ai pas cités, mais en tout cas, chaque personne m'a marqué. Déjà, je peux parler de Charlotte Dipanda, tout simplement parce que c'est avec elle, en tant que chef d'orchestre, que j'ai fait le plus de temps. Charlotte m'a permis aussi, avec son succès au Cameroun, d'aller, à travers ses concerts, de me rendre beaucoup sur place au Cameroun et donc de pouvoir faire mes recherches personnelles OK. Qui ont fait que voilà, je fais ces morceaux aujourd'hui, tout ça, machin. Donc, à Charlotte, effectivement, parce que elle, ça, c'est quand même 10 ans de chef De d'orchestre, 10 ans collaboration. de collaboration, voilà. Après, ceux qui m'ont vraiment marqué, il y a Caillou aussi, c'est un artiste de Yaoundé, un artiste de jazz, là, c'est plus sa musique instrumentale, mais c'est Caillou qui m'a fait arriver au Cameroun, d'ailleurs, même, dans les OK. années 2000. Voilà, il y a Atébass, forcément, avec les reformations des Têtes Brûlées. Je peux parler plus récemment des doyens, des vrais doyens. Je pense que depuis que j'ai fait Bassangwedi, les doyens se sont intéressés à moi. Je veux parler de Ngila Moto, par exemple, Douleur, ou bien même Sally John, le vieux papa, Ouais. avec qui j'ai passé quelques jours à Bojango, chez lui-même, à côté de Douala. Et donc voilà, bon, tous ces artistes-là, maintenant même du côté de Yaoundé, voilà, je peux citer Atébass et Têtes Brûlées avec qui j'ai eu une très bonne expérience. J'ai eu accompagné plein de chanteuses de Bikutsi, même peut-être les Rantanplan, même Chantal Aïssi lors des soirées. Bon, ils sont nombreux, hein. Il y a Manuel Wandji aussi, Wambo, celui-là, je ne dois pas l'oublier parce que si, mais écoute, il va se fâcher. Mais c'est une très bonne expérience aussi, Manuel Wandji. Bon, ils sont très nombreux. Et là, qu'est-ce que si on vous pose la question, qu'est-ce qui a été le plus gratifiant dans votre pratique de la musique? Là où vous vous êtes retrouvé un jour, vous dites, waouh, j'ai fait un bon choix. À quel niveau vous avez eu ce sentiment? Ou quand? Ou par rapport à quoi? Un peu tout le temps. Je dois dire que mon expérience avec le Cameroun, ça a été gratifiant au jour le jour. Et ce ne sont pas forcément les choses les plus clinquantes. Où je veux dire, c'est pas forcément le plus grand concert ou le plus gros cachet qui m'a apporté une satisfaction. C'est plutôt les choses de tous les jours. C'est plutôt quand j'allais prendre ma guitare et que j'allais au cabaret à Douala, qu'on ne me connaît pas encore. On dit, ah, c'est un étranger, est-ce qu'il va pouvoir jouer? On me laisse la guitare quand même et puis ça donne quelque chose. C'est voilà, moi je me souviens de Yaoundé. Il y avait le temple du Bikutsi qu'on appelait Carousel à Kondengi, là. Je me souviens de cette soirée, de ces samedis soirs, à venir avec la guitare et m'intégrer dans l'orchestre, ce rythme-là qui est magnifique, Bikutsi. Donc, ce sont ces choses-là qui sont très gratifiantes et qui m'ont apporté beaucoup de plaisir, en fait. Voilà, c'est le truc du quotidien, le Cameroun au quotidien, en fait. Le Cameroun qui est un pays, même encore aujourd'hui, même si ça baisse un peu malheureusement, mais qui est même encore aujourd'hui dans toute l'Afrique francophone. Un des pays qui est devant en termes de live et de musique. Parce que tous les cabarets de Douala, Yaoundé, même si malheureusement ferment les uns après les autres, maintenant, ça, c'est un constat qu'on ne peut pas éluder. Mais du moins, à l'époque où moi j'y étais, ça jouait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Yaoundé, Douala, des cabarets partout. Bonatéki, Bonanjo.
Il y a des cabarets partout. C'était vraiment au top, quoi. Même quand on allait avec Charlotte, on a eu à faire quelques tournées dans tout le pays. Même quand on allait, je me souviens, à Garoua, il y avait un cabaret, à Yellow, à Bamenda, il y avait des cabarets. On a fait tous les cabarets du pays, Du en fait. Ça, Cameroun. c'est pas les concerts, hein, mais quand on finit le concert, voilà, il y a toujours un endroit où tu peux aller traîner avec ta guitare et tu vas te confronter aux musiciens du coin. Et ça, c'est la force du Cameroun. Oh, maintenant, hein, il y a sûrement eu des difficultés parce qu'on se dit quand même que Non, tout ne peut pas être tout rose. Tu peux en parler hein, si ça te gêne pas. Ou à un moment, peut-être les infrastructures, peut-être les droits d'auteur, si tu as été confronté. Parce que là, on va parler de ta nouvelle carrière, là, où sûrement tu n'es plus guitariste, tu es auteur-compositeur, et peut-être aussi à temps quand même de percevoir les droits d'auteur, ce genre de bien sûr. choses. Quelle est ta lecture par rapport à ce qui se passe au Cameroun? Parce qu'il faut qu'on en parle. Bon. On ne doit pas tout peindre beau, alors que peut-être il y a des améliorations à faire quelque part. Il y a toujours des améliorations à faire tout le temps. Maintenant, le sujet des droits d'auteur au Cameroun, moi j'ai suivi, il y avait la CMC, la SOCAM. Pour moi, très sincèrement, c'est très complexe. Je ne suis pas en mesure d'en parler, et à titre personnel, pour répondre à une partie de votre question, je ne suis pas affilié à une société de droits Ah. d'auteur. Voilà, je suis affilié ici à la SACEM en France et au Burida en Côte d'Ivoire. Voilà, les deux caisses sur lesquelles je suis affilié. Mais ça m'a l'air très complexe au Cameroun, hein. Je préférerais Donc... que. Ça aurait été mieux d'en parler avec un grand frère comme Sam Bende, ou bien il y en a plein avec qui on peut en Je discuter crois mieux. que notre coordinateur Charles au Belge va chercher le contact du grand frère, hein, en passant, on profite pour dire bonsoir, qui nous a joué de très belles mélodies. On retient que, voilà, malheureusement, il faut faire quelque chose pour les droits d'auteur au Cameroun. Si en Côte d'Ivoire, ça a l'air d'être bien structuré, et qu'en France également. On revient sur les Bikoussi. Vous avez parlé du cabaret, des cabarets et tout. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les Bikoussi? C'est cette guitare magnifique, c'est cet amour du direct pour les musiciens du Bikuti. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le Bikuti? D'accord. Alors, Wad, je vais répondre tout de suite à ta question. Tu vas me permettre que je suis en train de voir que ma tablette va s'éteindre, donc je vais faire un petit branchement. Il n'y a pas de problème. C'est les aléas du live. Il n'y a pas de problème. C'est plus naturel. Donc, c'est plus vrai. Le temps que. Oh my yeah.
Thank you.
Nous sommes toujours en attente. Le temps que la technique et notre invité règle son petit souci technique qui est dû à un problème de connexion. Et ouais, je crois qu'il Non, mais voici, me voici. Voilà, OK. j'ai voulu brancher ma tablette, Internet s'est déconnecté, tout ça. Bon, c'est C'est pas grave. bien, nous sommes en direct. Ça prouve que c'est naturel ce qu'on fait. Il n'y a pas de fake. C'est ça. Il y a des gens qui sont restés scotchés. Donc, merci à ceux qui ont eu la patience. Et vraiment, nous sommes très émus et très contents. On continue l'interview. Nous étions au niveau du Bikuti. Alors, Est-ce que Julien nous ok. écoute? Oui, je suis là, je suis là. On voit pas le visage bouger. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si la technique a la même impression que Non, moi. bien chez moi. Tout va bien chez moi. Je vois tout le monde. Je bouge aussi. Essayons un peu de remettre. Voilà. Je crois que c'est bon. Peut-être la lumière. Qui peut-être fait Ouais, défaut. c'est le soleil qui descend nous visiter. OK. Bon, voilà, nous étions au niveau du Bikuti. La question était, qu'est-ce qui vous a attiré dans le Bikuti? C'est les lives du Bikuti, parce que on le sait, hein, le Bikuti, c'est l'une des rares musiques pour s'imposer. Il faut à tout prix jouer en direct dans les différents cabarets de la capitale. Quel que soit son niveau, il faut prouver qu'on peut ambiancer. Et aussi, les guitares du Bikuti, je crois qu'ils sont difficiles à accorder et dont les sonorités ne sont même pas faciles à décortiquer ou alors à étudier dans les conservatoires. De votre côté, qu'est-ce qui vous a attiré dans le Bikuti? Qu'est-ce qui vous a frappé dans la musique et vous a amené à composer un morceau ou alors à interpréter des morceaux du Bikuti? Ouais, le Bikutsi, c'est une musique extraordinaire. Alors, vraiment, la rencontre, la découverte du groupe Les Têtes Brûlées et de son guitariste, danseur, chorégraphe, Zanzibar et Pémé Théodore, qui nous a quittés un peu tôt. Moi, je ne l'ai pas connu, hein, de son vivant. J'ai découvert Les Têtes Brûlées, il était déjà mort. Mais voilà, c'est évidemment pour chaque guitariste, c'est qui n'est pas forcément de cette culture, de découvrir Zanzibar, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette manière de jouer qu'avait Messi Martin aussi, avant lui d'ailleurs, d'avoir retranscrit cette puissance, ces sonorités, ce rythme qu'apportent les balafons. Voilà. Et c'est vrai que d'avoir remis ça sur les guitares électriques au goût du jour, c'est pour un guitariste qui se respecte. C'est quelque chose à faire. C'est une très bonne école. Et moi, je sais OK. que j'étais très jeune quand je suis arrivé à Yaoundé. Et comme avec la fougue de la jeunesse, je pensais que j'étais un très bon, comme disent les jeunes, moi, je joue tout. Je joue le blues, le jazz, tout ça, machin et tout. Mais quand j'étais confronté au Bikutsi, j'étais dans, comment ça s'appelle? À Pakita, un quartier de Yaoundé. Chez Tunde Ndwa, qui était guitariste rythmeur des groupes de Bikutsi. On était assis dans son salon, il me montrait un peu quelques lignes du Bikutsi à la guitare, j'essayais de reproduire ça, mais vraiment, c'était pas facile. J'avais l'impression de recommencer la guitare à zéro. Et d'ailleurs, le Bikutsi m'a permis de me donner une deuxième vie guitaristique, en fait, en apprenant autre chose, quoi. C'était pas mal. Les accords ne sont pas classiques. Qu'est-ce qui fait la particularité? Je ne suis pas un spécialiste vraiment de la musique, mais est-ce que la musique n'est pas universelle? Est-ce qu'il n'y a pas une façon compréhensible de transférer des accords d'un musicien à un autre? C'est-à-dire lui Non, dire, bon, voilà, pour les accords, ce n'est pas un problème. Pour l'harmonie, c'est la même partout, hein. D'ailleurs, le Bikutsi même a une harmonie très simple, qui sont les mêmes qu'on retrouve dans toutes les musiques africaines, mais souvent trois accords.
dans le truc de base. C'est pas une question d'harmonie. Les harmonies sont compréhensibles par tout le monde, que ce soit en Chine et tout ça. C'est une question de rythme, vraiment. De rythme, de bagage culturel, de langage, quoi. Parce que, voilà. C'est un peu ça. Je sais pas si je peux donner des exemples, mais il y a ce son de balafon. On va étouffer les cordes comme ça. Sonorité qui est unique au bikutsi. Donc en fait, le bikutsi transpose les sons de balafon sur la guitare, ce qui n'est pas fait forcément par tous les autres musiciens. Exactement. Et comment est-ce possible? On vous donne l'opportunité de l'expliquer techniquement, parce qu'il y a sûrement certains de vos collègues qui nous écoutent. Non. Oui, c'est pas une possibilité, c'est juste que voilà, on a trouvé, je pense que c'est l'évolution d'une musique. Ben, c'est comme ça que ça se passe. On a trouvé le bikutsi, je pense que le bikutsi, même en langue beti, c'est taper, frapper le sol. Et je pense que c'est une danse, d'abord, on m'a dit même de femmes qui frappaient le sol avec les pieds, donc c'est de là qu'est venu le bikutsi. Donc j'imagine le bikutsi au départ, sa forme originelle avec des percussions et des danses. Après, j'imagine que les balafons sont venus et les balafons ont apporté une harmonie, un langage, une manière de jouer des phrases. Et ainsi de suite, les instruments modernes sont arrivés. Donc, j'imagine que ces gens-là qui jouaient déjà du bikutsi, peut-être au balafon, ont voulu emmener le bikutsi dans les cabarets ou dans les lives. Et donc, on a transcrit cette musique avec les guitares basses, les guitares électriques, les batteries, et tout ça, machin. C'est ça qui a fait Messi Martin d'abord, les groupes comme les Têtes Brûlées, les vétérans de la capitale, les zombies, ils ont été pleins. Ils ont été très nombreux. D'accord. Est-ce que là, maintenant, avant de passer à la prochaine question, hein, on va un peu, une ou deux questions sur l'avenir de la musique camerounaise avant de passer sur la musique ivoirienne, que vous venez de nous dire que vous travaillez aussi là-dessus ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit 30 secondes d'un truc en bikutsi pour un thème de transition? Ah, ben on peut rendre hommage à Zanzibar avec Essinga. Ah, superbe. Super. Maintenant, hein, avant de parler de la Côte d'Ivoire, comment voyez-vous l'avenir de la musique camerounaise? Parce qu'on sait que dans les années 70, dans les années 80, la musique camerounaise était quand même une référence en Afrique. Aujourd'hui, on voit que ça, ce n'est plus tellement ça. Et comment voyez-vous l'avenir de cette musique? Ou alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour retrouver cette place d'antan? Selon votre lecture. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place d'un point de vue de musique patrimoniale, on va dire, c'est-à-dire vraiment les musiques qui sont propres au Cameroun, le Makossa, le Bikutsi, la Siko, c'est vrai que c'est en baisse. Par contre, je trouve, moi, justement, qui vis en plus à moitié en Afrique de l'Ouest, je trouve que les artistes camerounais, en ce moment, s'exportent très, très bien à Abidjan. Les gens consomment beaucoup d'artistes camerounais, mais c'est la jeune génération, ce sont les ténors, ce sont les... Ouais. Charlotte aussi, maintenant, on ne travaille plus ensemble, mais je vois qu'elle fait beaucoup de choses à Abidjan. Tout ça, ce sont des artistes camerounais qui sont connus dans toute l'Afrique, francophone et même ailleurs. Maintenant, s'il s'agit de musique patrimoniale, c'est-à-dire vraiment, on parle de la musique signature camerounaise, les artistes de Makossa, de Bikutsi, Asiko, Mandombe. C'est sûr que ça baisse un peu, y compris même dans la nouvelle génération qui peut-être ne ressentent pas le besoin de se battre pour cette musique,
ont tout simplement envie d'autre chose. C'est pas une pierre que je leur jette, hein. Moi, je comprends tout à fait. Moi, je suis un étranger qui a aimé cette musique. Donc, j'ai quitté chez moi pour aller, pour aller aimer et faire du Makossa, du Bikutsi, tout ça. Je comprends tout à fait qu'un Camerounais qui soit né au Cameroun, qui a grandi dans le Makossa, dans tout ça, et envie de faire aussi notre musique, voilà. Parce que sinon, moi, ce serait légitime de me dire, mais attends, toi, tu es français, tu as les musiques traditionnelles, là, tu as laissé la musique bretonne pour aller faire le Makossa. Oui, c'est vrai, la musique bretonne m'intéresse moins, par exemple, parce que peut-être je suis né à côté, je suis né dedans, donc ça m'intéresse moins de travailler sur ça. Donc, je comprends. Je ne peux pas en vouloir à un Camerounais de dire, moi, j'ai pas envie de faire le Makossa, je veux faire comme les Nigériens. Voilà, justement, les Nigériens, parce qu'aujourd'hui, on a quand même aussi une tendance à aller vers les beats nigériens, partout en Afrique, surtout au Cameroun, mm-hmm. qui a quand même du succès. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est la vente ou bien c'est juste que c'est un effet de mode? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mm-hmm. les artistes camerounais qui se vendent le plus font un peu de l'afro, comme ils appellent, c'est-à-dire un peu mm-hmm. proche de ce que font les Nigériens? Bon, je pense que quand on veut faire quelque chose, on essaye de prendre comme modèle ce qui marche le plus. Et c'est vrai que les pays anglo-saxons ont montré que déjà, ils avaient une industrie plus puissante. Ils avaient, comment dire, un public qui consommait, c'est-à-dire qui achetait leurs produits. Et donc, c'est vrai, des artistes aussi, surtout qui sont solidaires au Nigeria. Au Ghana, en Afrique du Sud, des artistes qui sont très solidaires. Donc vraiment, il y a une vraie industrie solide qui se crée. Et c'est vrai que de la part d'un jeune musicien, d'un jeune artiste, on a envie de copier ce qui nous semble bon. Voilà, après, malgré tout, les jeunes artistes camerounais, je trouve qu'il y en a beaucoup. Moi, je veux citer Ténor, par exemple, un petit frère qui est très connu, qui fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Maintenant, je sais que Ténor, lui, il fait la musique urbaine, comme on dit. Mais j'ai beaucoup apprécié sa démarche parce que malgré qu'il fasse la musique urbaine ou la musique afro, comme on dit là, afro-pop, et bien dedans, il rend quand même hommage. Je me souviens de son morceau où il rend hommage aux têtes brûlées. Et je dis, il apporte dans cette musique urbaine, il y a quand même un peu de Bikutsi, un peu de Makossa, de clin d'œil à ce qui s'est passé avant. Donc voilà, je ne serais pas de ceux qui vont jeter la pierre à la jeune génération, genre vous abandonnez votre musique et tout. D'abord, chacun va où il veut. Après, je regrette, comme une généralité, que la musique du Cameroun puisse se perdre un jour. Ce n'est pas encore le cas, heureusement, mais c'est vrai qu'on peut y voir. Ah, nous comptons hein, sur des gens comme vous pour continuer via les cabarets et tout et tout. On passe sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Julien Pes cherche en Côte d'Ivoire? Bon, peut-être parce que vous l'avez dit et on le lit partout dans les journaux. Vous êtes avec Serge Beno, avec d'autres musiciens. Vous allez nous dire de vous-même oui. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous cherchez actuellement en Côte d'Ivoire? Parce que les deux dernières années, votre actualité est complètement, je vais dire, peut-être que je me trompe, elle est ivoirienne. Si. D'ailleurs, même en plus de cela, à cause ou grâce au Covid, là je viens juste de rentrer à Paris aujourd'hui, mais j'ai fait plus de un an et demi sur Abidjan. Voilà, je réside là-bas, je suis en train d'installer pas mal de choses, de monter un petit studio aussi. Mais c'est vrai que les aléas du direct encore. Aujourd'hui, c'est grave, hein. Et pourtant, nous tirions vers la dernière ligne droite. Nous espérons qu'avec que la technique va résoudre ce problème, parce que effectivement.
ti kom langwe amba nyongo makamone na mapula pia bato batese ekongwa su monja ati kom langwe amba nyongo makamone na mapula pia bato batese ekongwa su monja. Félix Moumier, Bogbati, Nana Di Ewenge, Son Bisemba. Makamone na mapula pia bato balongi ngoso nyo lamboa adi kom langwe amba myongo makamone na mapula pia bato balongi ngoso nyo lamboa. Merci Martin, Charles Aimé, Nana Pie Wenge, son Bissemba. Tangate en maté, c'est non. Kende basangweti, basangweti ba ponda itombi. C'est un mal pour un bien, mais bon. C'est vrai qu'aujourd'hui ça nous épanne pas, mais ça nous empêche pas de dialoguer. Allons-y, c'est pas grave. Ok. Donc là, c'est juste que la tête. Voilà, il faut peut-être te lever pour bien sortir. On le tient au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, on a dit votre dernière actualité, les deux dernières années sont vraiment beaucoup ivoiriennes. Qu'est-ce que Julien cherche à Côte d'Ivoire? Non, mais déjà, voilà, ce que je disais, c'est que sans langue de bois, il faut quand même se dire que la Côte d'Ivoire est devant, même en termes d'industrie musicale. Voilà, en Afrique francophone. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Il y a beaucoup de studios et de studios aux infrastructures qui n'ont vraiment rien à envier aux studios qu'on peut trouver aux États-Unis ou bien en France. Voilà, il y a les grandes maisons qui sont là-bas. Universal Music est là-bas. Sony Music, ils sont là-bas. Ils ont fait un grand studio d'enregistrement aussi dans lequel on peut travailler, dans lequel j'ai enregistré même quelques guitares pour le dernier album d'Ariel Chenet. Et voilà, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de clubs aussi, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de festivals en Côte d'Ivoire. Donc il y a la possibilité de rester en Côte d'Ivoire et de faire son travail de musicien. Et voilà, moi en plus, je suis en train de développer d'autres choses là-bas qui me concernent. Voilà, c'est un endroit que j'ai trouvé. Je me sens bien parce qu'on peut faire vraiment son travail de musicien. Voilà, mais je suis toujours à Paris, hein, je fais les allers-retours là. Bon, c'est vrai qu'à cause du Covid, toutes les tournées, tous les concerts étaient annulés. Donc moi, j'étais plutôt là-bas. Maintenant, je suis rentré parce qu'on va recommencer, ça s'ouvre un peu. On va recommencer à voyager, à donner des concerts un peu partout là. Donc voilà, mais la Côte d'Ivoire... Donc en fait, bon, l'industrie de musicale est mieux développé. Est-ce que c'est pas un problème de sponsoring? Est-ce que les
grosses boîtes qui ont pour la plupart leur siège social à Abidjan n'ont pas beaucoup plus de moyens de sponsoriser les grands shows, les grands événements et tout et tout. Est-ce que, en quoi Abidjan est attractif? Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de budget dédié à la culture et à la musique. Ou alors, il y a quelque chose. Il y a plus de budget, il y a aussi plus de business. Il y a aussi, tout le monde sait qu'Abidjan, c'est une plaque tournante, pas seulement pour la musique, mais pour le business en général. Et après, quelles en sont les raisons? Moi, je ne pourrais pas faire une analyse politique, mais c'est sûr que forcément, il y a plus de budget dans la culture. Ou même si le budget équivalent, on y fait plus attention, je vais dire. Voilà, il y a des émissions de télé en Côte d'Ivoire qui sont vraiment, des plateaux télé qui sont beaux, qui n'ont rien à envier aux autres pays, qu'ils soient occidentaux ou asiatiques ou machin et tout. Je dis ça, voilà, quand on fait quelque chose en Côte d'Ivoire ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on n'est pas, en dessous d'un autre continent en fait. Et c'est ça qui est plaisant. C'est ça qui est plaisant. Et là, vous n'avez pas dit, vous ne travaillez pas seulement avec Alex Chéné, vous travaillez avec qui d'autre? Quel est le projet derrière ce travail? C'est devenir producteur, devenir organiser des événements, organiser aussi des festivals, compositeur, arrangeur. Je ne mets rien de tout ça de côté. Voilà, je suis en train de faire mon studio. Moi, je me suis installé du côté de Grand Bassam, là, qui est une station balnéaire au bord de la plage qui est à seulement 26 km d'Abidjan, hein. c'est pas si loin. Donc d'un coup de voiture, on est au centre-ville, mais voilà, je suis en train de monter mon petit studio et d'autres choses à côté. Donc évidemment, travailler avec des artistes, faire moi-même mes propres chansons. Là, moi, j'avais des spectacles qui auraient dû être faits au Cameroun avec l'Institut français à Yaoundé et diverses choses, mais qui, à cause de la pandémie mondiale qu'on connaît tous, n'ont pas eu lieu. Donc c'est vrai que les Camerounais ne m'ont pas vu depuis un certain temps, mais c'est dû à la situation sanitaire, on va dire. Mais voilà, quand tout va réouvrir correctement, moi je vais bien sûr revenir, je n'ai pas lâché le Cameroun, je vais revenir au Cameroun, faire mes spectacles, je vais refaire d'autres morceaux. Et c'est vrai que étant basé à Abidjan, je suis à 6 heures de Paris avec des vols qui sont vraiment, je dis, c'est mieux desservi pour l'Europe, la Côte d'Ivoire que le Cameroun. Mais en même temps, étant à Abidjan, j'habite à côté de l'aéroport en plus, je suis seulement à 2 heures de Douala et 2 heures de Yaoundé. Donc ça me permet d'être aussi, quand tout sera réouvert, d'être à 2 pas du Cameroun aussi, dont je ne pourrai pas m'éloigner sans avoir mal au cœur. Ok, donc on peut s'attendre les prochains jours alors à avoir Julien Pestre en featuring avec un artiste ou alors des artistes ivoiriens. On vous a vu avec plusieurs artistes camerounais, donc au niveau du Cameroun, ce n'est plus un secret, on connaît que vous êtes au cœur même de l'activité musicale camerounaise. Est-ce qu'à Abidjan, pour nous donner un scoop, vous travaillez dans quel projet? À part Ariel Chéné, vous venez de dénoncer, quels sont les projets? Je ne peux rien dire parce que ce que je suis en train de faire là, je garde ça secret pour l'instant, ça sera quand ce sera prêt, parce que vous savez, c'est une question de, comment on va dire, de superstition. On dit que si on commence à tout livrer et puis il arrive quelque chose, que ça ne marche pas, on va dire, il s'est lancé quelque chose. Et, bon, vous mettez à nu votre côté camerounais. Hein. D'ailleurs, on découvre que vous avez un keps. On découvre que vous avez un keps qui porte le 237. Est-ce que vous pouvez bien nous montrer ce keps? Voilà, 237 ADIC. Alors là, vous devez nous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça prouve ce que ça prouve, c'est addict au 237, voilà, c'est que malgré tout, le Cameroun a cette chose unique qui fait que même si on s'en va voir ailleurs, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Là, je parle vraiment d'artistique et de musical, quoi. J'adore la Côte d'Ivoire, par exemple, je suis vraiment très à l'aise là-bas, je me sens chez moi, je suis vraiment très bien accueilli par les Ivoiriens. Après, voilà, la musique en Côte d'Ivoire que j'aime bien aussi, je le dis sans langue de bois, même si je vais me faire des ennemis, mais n'est pas aussi diversifiée que la musique du Cameroun. Voilà. Donc, c'est pour ça que 237 addict, parce qu'on pourra aller partout au 225, au 222, mais on sera toujours à l'aise, mais il va manquer un tout petit truc qui fait que le Cameroun, c'est le Cameroun.
Ah, vous avez tout dit. Écoutez, les Ivoiriens ont toujours offert des bons plateaux camerounais. Donc, je crois même qu'on vous assimile même camerounais. Donc, ce n'est pas surprenant. Vous avez parlé de Ténor qui est plus. Je crois qu'il y a le nouveau mec qui a sorti un morceau. C'est Abidjan, d'Abidjan qui est parti pour revenir au Cameroun. Ah oui, à Véro. Non, il faut tout savoir. Exact. Ah, Actuellement, voilà. moi, je suis rentré à Paris parce que maintenant j'ai du travail à faire ici au niveau de la musique. Mais ils sont tous en train d'arriver à Abidjan actuellement. OK. Et maintenant, nous tirons dans 2 minutes vers la fin de notre émission. On a prévu 60 minutes. Ça allait très vite. Et est-ce que vous avez quelque chose d'exclusif à nous dire qu'on a peut-être oublié, que vos fans, ceux qui vous suivent, parce que les gens attendaient, est-ce qu'il y a un album qui est en marche au nom de Julien Peps, ou c'est juste des singles? Ça aussi, ça intéresse les gens. Si oui, où est-ce qu'on peut l'acheter? Qu'en est-il? En tout cas, pour l'instant, là, comme je vous dis, je viens juste de rentrer à Paris. Donc, c'est vrai que je ne dois pas cacher la vérité. J'étais vraiment sur autre chose. Et c'est vrai que cette pandémie, ça nous a affectés aussi au niveau du travail. Parce que, bon, comme nous sommes des gens, on a l'habitude de bouger partout, de trentonner. C'est aussi cette activité qui met notre cerveau en ébullition. Bon, quand cette activité disparaît un peu, même disparaît complètement, notre cerveau ne marche plus comme il avait l'habitude de fonctionner. Donc c'est difficile. Moi, je suis passé par des pertes d'inspiration, par des est-ce que je vais continuer à faire ça? Mais ça revient. Donc du coup, c'est 1 an et demi là de où moi j'étais à Abidjan, j'ai travaillé sur des choses très précises dont je parlerai plus tard. Donc j'étais occupé, hein. J'étais vraiment, je n'ai pas eu d'inactivité. Mais voilà, en tout cas, dans la musique, il y aura forcément des choses, ça c'est sûr, mais c'est vrai que cette histoire a remis un peu les choses à plat. Donc maintenant, il y a beaucoup de morceaux que je voulais sortir avant cet épisode, et maintenant, c'était il y a 1 an et demi, donc quand je réécoute ça, je suis plus vraiment, ça devait sortir à un moment, mais je suis plus vraiment satisfait. Donc je pense que je suis à un niveau où je vais devoir, je suis rentré à Paris, j'ai mon studio qui est là, je vais devoir vraiment réactualiser ce que j'avais enregistré à l'époque et décider ce que je vais sortir et ce que je vais faire. Mais il y aura des choses, ça c'est obligatoire. C'est obligé. Oh, ouais. En tout cas, Radio Bonhomme est là, hein. Vous êtes à la maison et à tout moment, si vous avez une actualité, vous nous faites signe ou alors nous on revient vers vous. Si vous avez des collègues qui ont des Avec actualités également, vous nous contactez. On veut faire un peu développer, pas seulement de la politique parce que les gens sont fatigués de la politique. Les gens veulent aussi sourire. Les gens veulent avoir des bonnes sonorités pour rêver. Ce que vous faites. Peut-être la dernière question aux jeunes qui font la musique parce que ils vous regardent, on pense à eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quelle est l'orientation globale? Est-ce que vous encouragerez les jeunes à voir dans le jazz, à voir dans. Qu'est-ce que vous direz à un jeune aujourd'hui qui commence la musique? Mais moi, je n'ai pas influencé quelqu'un, ni surtout pas lui dire va dans le jazz ou va dans le classique ou du machin. Faites ce que le cœur vous dit, là où le cœur vous dit d'aller. Est-ce que moi, je suis un musicien? Si quelqu'un m'avait dit, si j'avais parlé à mes collègues musiciens ici en Europe que moi, j'ai envie de partir au Cameroun pour faire de la musique camerounaise, on allait me dire quoi? Parce que souvent, les gens sont aussi un peu un état d'esprit plutôt étroit, ils veulent pas, je suis sûr Il veut que. pas s'ouvrir. Voilà, donc moi je ne peux pas être celui qui va leur dire faites du jazz, faites de machin. Moi mon cœur m'a dit va au Cameroun. Enfin, on m'a amené au Cameroun et mon cœur m'a dit reste ici et regarde ce qu'on peut faire avec la musique là-bas. Et puis ça, là où je suis aujourd'hui, voilà, donc écoutez son cœur tout simplement. Écoutez son cœur. Je crois que c'est le dernier mot, sauf si peut-être vous avez 1 minute pour nous pour grincer un peu votre guitare, pour dire au revoir à tous ceux qui vous écoutent, pour leur dire que voilà, vous êtes encore là, votre actualité revient, que ce soit dans les réseaux sociaux et tout, donc Julien, je Bien sais sûr. pas. Ok, on vous repasse la thème pour. Je
peux dire à tout le monde déjà merci beaucoup. À ceux, pour ceux qui me suivent régulièrement, merci aussi. Merci d'être patient parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais moins présent. Voilà, je me concentrais, mais en tout cas, je n'ai pas. L'avenir, c'est devant, comme on dit. Et beaucoup de choses vont arriver. Merci à Radio Bonhomme de m'avoir proposé cet échange qui fut très agréable. Voilà, et puis c'est ce qu'on peut dire. Ok, merci à Julien Pestre de nous avoir honoré pour ce rendez-vous. Merci à tous les auditeurs et merci à tous les internautes de Radio Bonhomme. Merci à la technique sous la coordination de mon frère et ami Charles Aubelge. Prochain rendez-vous samedi, demain déjà, s'il plaît à Dieu. Et à tout moment, c'est ouvert aux artistes, c'est ouvert aux ingénieurs, aux techniciens. Nous sommes ouverts à toute personne qui peut permettre, qui a quelque chose à dire, qui peut enrichir le débat, qui permet à l'Afrique, au monde d'évoluer. Donc, au revoir et merci beaucoup. Technique Jingle. Bye bye. Merci.